Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park. Alors nous devons rejoindre Jimmy dans sa chambre, par conséquent c'est ce que nous allons faire. Nous allons l'appeler, mais il va pas aller nous emmener directement dans sa chambre. Du coup, je pense qu'on va gagner du temps si on se téléporte à la maison. Dion ! C'est parfait. Merci, je vais chez toi, j'arrive. Hein. Pas dans l'autre sens. Alors le coup du je vais prendre le journal, c'était... Voilà, j'en ai au moins deux qui sont malades. C'est toujours ça de prix. Et on a le coon avec nous. Ce qui est trop stylé. Voilà, vas-y, gère, bah c'est très très bien. Ah oui, je peux en faisant... Oui, je peux récupérer. C'est bon, faut que ça me revienne, hein, chers amis, je suis désolé. Hop. J'ai personne là. J'ai personne là non plus. Je ne peux rien faire de là où je suis, donc je vais rester ici. Et je vais prendre un deuxième tour. Voilà. Et je vais caler, je pense, ceci. Hop là. Boum. Et je sais. Hop. Et c'est parti pour un deuxième tour. Voilà. Le coon. Hop. Et le coon peut faire ceci. Je t'ai cooné. Parfait. Le coon va se prendre une attaque. C'est rien, ce n'est qu'une attaque. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur A. Autant pour moi. Ça fait longtemps, hein. Désolé. Vas-y, gerbe. Pourriture. Ah, Captain Diabète. Je t'avais oublié. Du coup, Captain Diabète, on va repousser vers le coon. Boum. Et toi, normalement, est-ce que t'es toujours au bon endroit? Apparemment non. Du coup, on s'arrête là. Oh ouais. C'est le coon qui va finir son adversaire. Oh la vache, c'est chaud à utiliser comme technique ça. Bien joué. Je me rappelais plus. Vous voyez, ça fait longtemps que j'ai pas joué parce que j'ai bourré Destiny pour être à jour. Et bah voyez, finalement, ça ne se perd pas. Génial, on a maîtrisé les sixièmes. Et donc du coup, dis nouveau, le coup de t'a dit de venir me voir, pas vrai, j'essaie de t'aider moi. Truduc, c'est quoi le problème? Tu vas pas être plus puissant? Ça race. Pourquoi il dit ça race d'ailleurs? Ça n'a aucun rapport. Bref, ce n'est pas grave. Sous Spark. Bonjour. Madame, est-ce que j'ai déjà pris un... Sans doute. Je sais plus si je l'ai déjà pris. Apparemment. Il devrait mettre une petite croix, vous savez. Parce que c'est un peu couillon. C'est où du coup? Carte. C'était la première maison. Autant pour moi, c'était la rouge. Vendu. Hop. Il y a de la lave ici. Bonjour. Comment ça va, Classy? Ok, je vais interroger le témoin, y'a pas de soucis. Ah non, je croyais que c'était encore une scène à la con. Vous savez, une scène où il fallait attendre que... Your medication? Yeah, I can't think straight without my medication. You gotta go pick up my prescription, alright? My prescription, I ain't telling you little heroes fuck all nothing. Well, alright, fine. Looks like you got more work to do, new kid. But before you go back out in the world, I want to show you something that might help your crime fighting. Let's get up to my room, to bed. Ah, j'adore quand il fait ça. Alright, new kid. It's time to take your superpowers to the next level. Go ahead and stand in the DNA fibrillator. What?
Ok. Dis-moi. Force mutante, ADN. Précision inhumaine, ADN. Summum de la douleur, ADN. D'accord, c'est bizarre. Check out the new hero DNA slot I opened up for you. Stuff you insert here will make a big impact on your combat. Your combat. Oui, voilà, merci. Sélectionne ton emplacement d'ADN et appuie sur A pour afficher tes brins disponibles. Tes brins disponibles, la vache. C'est quoi ce bordel? Ok, ADN. D'accord, on peut voir à peu près ce que ça va donner en termes de. Bah écoute, je vais partir sur la cervelle alors. Ça me semble logique. D'accord, ok, pas de soucis. Mais génial. Enfin, il y a une profondeur qui apparaît de plus en plus. Vous savez ce que je veux dire au niveau du gameplay. C'est assez incroyable. Je suis littéralement sur le cul. C'est fou. C'est... Enfin, j'ai l'impression... En tout cas, j'ai une impression de profondeur. Est-ce que c'est le cas? Rends-toi au poulet frit médicinal. Logique. Absolument logique. Oui. Oui. Pas de soucis. Je viens te voir. Normalement, c'est par là. Voilà, tout à fait. C'est là qu'on va. Ok, vendu. Apparemment, l'homme cerf-volant a un problème. Allons l'aider. J'espère que ça va au niveau du micro. J'ai quand même vérifié un petit truc au niveau du micro. Je reviens. Ah ah. Re, chers amis, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Nous sommes bons, nous sommes forts, nous sommes magiques, apparemment aussi, surtout. Où c'est que c'est? Ça doit être celle-là. Non, je savais bien que c'était une verte, mais c'est pas la bonne. Mercredi. La voici. Je t'en prie. Je te suis. Y'a pas de soucis. Tu veux dire que... ton double du futur est revenu. C'est impossible. Oh, pourquoi ça s'est éteint? Ouah, je ne peux pas l'allumer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, je te suis. Oh, ça sent le... la faction plutôt, ça, non? Ah non, il est de retour. Merde. Will you deal with him, please? Look, cousin Kyle, it's that mean kid who beat me up before. Yeah, oh no, somebody stop him. Don't worry, cousin Kyle. I have developed these super sensors which will make it almost impossible for him to beat us up this time. I have to stay out of this. Just please, please make him go away. Tu m'étonnes. Evil bully kid. Evil bully kid, carrément. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? This barrier represents the Red Sea, which you will be unable to part without Moses on your side. Ah, j'ai loupé. Mais... Thanks for standing there like a little bitch deer in the headlights. Oh, I'm up now. Do you want me to go again? I can wait, no? Qu'est-ce que... Ah ouais, carrément. I didn't think I'd actually hit you. Pardon, excusez-moi, je suis pas du tout dedans au niveau de la touche A. Après, c'est pas une feature à laquelle je pense, en fait, habituellement. Mais why not? Hop, les! C'est bon. On s'en sort plutôt bien. Ah, et boum! Voilà, trop de force! Captain Diabète est trop fort. Captain Diabète est beaucoup trop fort. Ah, boum! Et 2-1. On est bon. C'est chaud, il faut que je me concentre un peu plus. L'homme cerf-volant d'un autre monde. Voilà, là je l'ai eu. Mais pour l'instant on n'est pas, si je puis dire, en grand danger. J'ai presque envie de... Allez, vendu. Boum! Deux fois plus de puissance. Commençons par ça. Boum.
T'as bien tapé si fort? Oui, tout à fait. Et là maintenant, l'ultime. Le pouvoir est en moi, Pokémon 2. Le pouvoir est en toi en soi, mais... C'est quand même stylé, hein. Faut reconnaître que c'est hyper méga stylé, la puissance. Boum. On s'en fout que tu vas avoir froid. On s'en fout complètement. Puisque tu vas payer. Pouf le diabète. Voilà, ça c'est fait. Okay, that does it. You guys asked for it. And now Human Kite shall use his Hebrew faith to call upon the power of the wind. Hikmeo Shigina. Let the strength of the wind make my kite fly and... Oh Jesus, it came off! Oh Jesus, my kite just blew up into the tree, Cousin Kyle! Then give up! Don't worry, buddy cousin. Perhaps I no longer have my kite, but I still have my super weapon! And she's a... These kids are picking on... Oh! Ta mère, quand même une grosse conne! C'est le plus grand scène que mon est connu! Bref, désolé, je me suis encore foiré sur le... Who are you kids? I'll call your mothers right now! La musique, c'est ça. En plus, c'est ça. C'est ça la musique en plus. Ah, génial. Ah, c'est génial. J'adore. J'entends cette. Je vais l'avoir dans la tête toute la journée. Dégage de mon chemin! Mais non! Mais non! Mais oh, l'homme cerf-volant qui me trahit complètement. Ah bah essaye, tiens, qu'on se marre. Non, tu ne feras rien. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus! Je me rappelle plus! Ah c'est ça, d'accord, voilà. J'ai passé son temps. Pouf! Cartman qui a toujours rêvé de faire ça. Faut dire ce qui est. Voilà, elle va rien faire normalement avant qu'on l'ait démolie. Normalement, c'est l'objectif. Voilà. Et on la sépare du groupe des fois qu'elle est du soin ou n'importe quoi. Il lui reste encore un. Non, elle le fait. D'accord, ok, bon Dieu. Heureusement que je l'ai protégée. Hein. What? Mais qu'est-ce qu'elle fout avec les règles du jeu, elle? Voilà, parfait. Désolé. Hop là, bouffe. Voilà, elle est loin de tout. Dans le pire des cas, voilà, c'est moi qui vais prendre. Mais c'est pas un problème en soi. Ça par contre, ça m'emmerde un peu plus. Tiens, à mon tour maintenant. Ah non, toujours elle, merde. J'ai le droit de jouer ou pas? Pas le faire, merde. Allez, vendu. Je sais pas si c'était une bonne idée, sachant que je suis au milieu. Si, parce que ça l'a obligé à m'attaquer, cool. Allez. Cartman, montre-nous ta toute puissance! Ah.
La puissance du Kun Cinematic Universe. Ok, j'ai eu sa mère. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, on continue. Bouffe. Oh, il lui reste rien, quoi. Tu peux rien faire. On va s'en sortir, on va les vaincre. Et c'est bon. Ah putain, il lui reste encore un petit peu de points de vie, quoi. Ah, je peux pas le faire parce qu'il y a quelqu'un devant moi. On va se mettre là. Ah, avec un peu de bol. Comme je frappe plusieurs fois, je devais à mon avis péter le bouclier avec avec le coude. Oh, la branlée que je leur ai mis. Alors, Dreadel de la Vengeance, artefact, 45, c'est pas terrible. New Jersey pur cru. ADN, ça c'est cool. 1,39$, par contre ça fait beaucoup d'argent aussi par rapport au reste qu'on avait. Niveau 5, emplacement majeur déverrouillé, génial. Un nouveau truc encore, emplacement d'artefact encore. Au-dessus de majeur. Intéressant, on va bien voir ce que ce sera. Il va dire la vérité. The human kite is about saving people, not about Judaism. And now look at all the damage you've caused. I should press charges against your friends. And look, my kite's up in a tree. I'm sorry. Please, I'll do anything. You are going to let your cousin play with you from now on. Is that clear? Oh, l'horreur. Oh boy, Kylo and Sheila says I get to play with you. Yes, sometimes you can play with us. Yippee! Now get your cousin's kite out of that tree. You're not playing anymore until you do. Come on, Shuguna. Let's get you some back tea. Oh, on va débloquer un pouvoir, je crois. Bon, bah. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais. Ça allait forcément être avec lui au niveau des... Voilà, c'est ça. Hop. Ça allait forcément être avec lui pour le faire. Bah, je suis bien content de le faire. Honnêtement, la proute mobile vendue. C'est génial. C'est génial. Excellent. Objet clé. Et comment on descend? Voilà, proute mobile. Hop les. Trop de style. Oh, c'est bon, c'est génial. C'est absolument génial. Ah, j'adore. J'adore ce jeu. Il y a des... Enfin, ça reprend de très très vieilles mécaniques de gameplay. Ça rajoute des... Hop, permettez, je vide votre frigo. Ouais, une photo. Ouais, pourquoi pas. Non, je vais pas le dire, désolé. Voilà, c'est tout ce que je ferai. Je n'irai pas plus loin. Oh wow. Okay, I'll take a picture if we can do it quick. Excellent. Absolument excellent. Ok, on se casse. Vous allez jouer gentiment ensemble maintenant les enfants, sinon je vais de nouveau me fâcher. Oui, bah ça va pas changer grand chose que tu te fâches. Alors, on sait qu'on a plein. Non, je m'en vais. Je sais pas si on en a un. Oui, on en a un par là. Aha. Aha. Parfait. Bon, c'est pas là que je voulais aller à la base, mais why not. Vendu. On y va. Génial. Trop de style. Ce jeu est d'un style. Excellent. Je t'en prie. Lunettes de hipster et coupe de la branchitude. Artefact. Ok. Au niveau des artefacts. On est censé pouvoir, voilà, avoir débloqué un autre... Ah, je peux le changer sans être... Cool. Ça, ça augmente quoi? D'accord, intéressant. C'est pas plus mal non plus, hein.
On va remettre ça alors à 68. J'ai rien sur les dégâts d'effet d'état. Dommage. Parce que les dégâts d'effet d'état, grosso modo, c'est ce qui va avec mes pouvoirs. C'est pour ça que je suis un peu déçu de ce que je fais en ce moment. On va voir, peut-être qu'on peut changer aussi de pouvoir. Si, imaginons, je décide de... Voilà, j'ai Speedster élémentaliste. Comment je fais pour changer? Ah ah. Fiche de perso. Ah, ça doit être là-dedans. Non? Non, bon bah, tant pis. Ah, faut que je pense aussi à faire une invocation une fois de temps en temps quand même, merde. Ça, c'est clair qu'il va falloir que je le fasse. Par contre, ma touche est en train de décéder. Ok, bon, on a le temps, c'est pas grave. On est plus ou moins bon. Prout mobile, vas-y, fais péter. What? Rightful suitor of the princess of Nepopolis, the greatest warrior to ever grace the bestiary. Okay, de pire en pire. Another came to challenge me. I came out victorious, but weakened. I must ingest a potion of healing so I can return to Nepopolis and caress my beloved. Can you? Donne le flacon de pisse. Ah, génial. D'accord, ok. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais faire. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Tiens, je l'avais trouvé. Une nouvelle invocation. Trop de style. Putain, on a trouvé une nouvelle invocation. Génial. Absolument génial. Oh. Ouais, une invocation! Monsieur Broflovski, le père de... Bref. Ça te fait quoi, du coup? Hein, ça fait quoi de le voir comme ça? Oui, oui. C'est pour ça que je fais ça. Hop, les. Ouf, le... Oui, c'était un peu violent, le crash, par contre. Hein. Ok. Vendu. Alors, j'ai pas la super force, je présume. Pas encore. C'est verrouillé ici aussi. Mais ce n'est pas grave. Du coup, est-ce qu'on va retrouver un endroit? Vas-y, ramène-toi, qu'on se la mette. Mais non, ça me sert à rien de vous parler en fait, c'est ça le truc. Je suis déjà plus fort que vous. C'est ça qui est triste. Peut-être que je peux me téléporter. C'est pas bien de se moquer, je suis désolé, hein, mais... Cette série entière se base là-dessus, hein, sur la moquerie. Alors, je sais que j'en ai vu quelque part par là. Un piège! C'est un piège! Heureusement! Heureusement, j'ai de quoi. Soigner tous les alliés. Eh ben écoutez, c'est parti. C'est parti. Hop. Le flacon de pizza. Je comprends que ça fasse des dégâts. Vas-y, viens me frapper, femme. Comment oses-tu? Ok. Il est temps de te montrer. Cela dit, je peux prendre sa place et m'écarter du reste. Ça va être intéressant. Dégage!
Parce que je m'écarte de l'autre fille. Ce qui fait que je vais prendre moins de dégâts le prochain tour. Selon moi, c'est plus malin. Avec un peu de bol en plus. Ah non, elle s'approche pas suffisamment. Si, je peux toucher les deux, génial. Hop les. Excellent. Parfait, je vais pouvoir retoucher les deux et achever les deux. Wouah ! L'embuscade qui tourne mal ! Je vous ai toutes eues ! Moi, venez-vous la mettre ? Quoi ? Elle se relève ? Ah non. D'accord. Non, non, je vais pas me laisser me prendre un coup comme ça. Tu annules ton tour. Quoi ? Oh, je sais. Je sais ce qui se passe. Merci. Merci à toi. Bonjour. Don't worry. I'm unfriending their Instagrams exponentially. They will be back for a while. You gotta be careful playing superhero. You can make a lot of enemies. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est elle, la fameuse fille qu'on cherche. What do you think? You think girls are just as good at gamers as you boys? Moi, je... You like to remain mysterious, huh? Fine. Look, you've got problems, new kid. Whatever you did last night got a lot of people's attention. Bad people. There's a crime boss who's been calling the shots here in South Park, and now that person is planning to run for office. Whatever you did last night scared him. I'm tracking everyone's Instagrams and Facebooks, and will continue to cross-reference with Tumblr while monitoring Twitter and LinkedIn. If you need information, just know you can rely on Call Girl. Call Girl, la rabatteuse, la voilà. La voilà celle qu'on cherchait. Cool. Infusion de phéromones, recette de scarabée de Riley. D'accord. De relier, pardon. Et 1,39$. Génial. Bon, bah, ça se passe bien. 25 artefacts différents. Peut-être quelque chose à construire par là. Bah, du coup, oui, non, c'est pas par là, justement, qu'on construit, Marcus. Création, c'est ici. Peut-être pas mal, ça. Ça va pas très lourd par contre. Ah merde, dans l'inventaire 2, j'avais pas vu. Autant pour moi. Autant pour moi. En termes de costume, est-ce qu'on a tout? Je suis allé trop loin. Le casque de Cyberloup, on l'avait pas. On l'a maintenant, génial. Casque nordique. Excellent. Tenue nordique. Excellent, absolument excellent. Génial. Consommable. Œuvre d'art en nouille pour invoquer Moïse dans l'inventaire 3. Le Pissa. Le Pissa. Il est où le Pissa? Je peux pas le construire. Je peux pas le faire le Pissa. Merde, je croyais que je pouvais. Peut-être par contre me refaire un petit peu de burrito. Ça va me faire du bien. Voilà. Et on est bon. Bon, on a fait la rencontre de la rabatteuse. On a récupéré un pouvoir. D'ailleurs qu'on va utiliser dès maintenant. Autant pour moi. Allez, hop. C'est parti. La proute mobile. Hop les. Et voilà. Merci. Masque diable. Ok. Et ce truc là, qu'est-ce que je devais en faire à la base? C'est si on était sorti? Si c'est le cas, tant mieux. Bon bah on se rebarre, on se rebarre. Pas de soucis. Hop les. C'est parti. Oh génial. Vengeuse, bracelet de vengeuse, couvre-chef de vengeuse. Cool. Du coup ça me fait des trucs en plus à crafter ou ils sont... Voilà parce que celui-là vous voyez j'ai le... Ah c'est pas mal non plus ça. C'est pas mal non plus.
là. Et la deuxième couleur. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas mal. Ah aussi, je voulais voir du coup ce que j'ai. Ça, c'est quoi? Ouais, non, ça, c'est pas terrible, par contre. Pour un homme, c'est pas terrible, terrible. Désolé. Mais voilà, ce que je voudrais pouvoir faire, par contre, c'est enlever l'intégralité des maquillages. Donc, non, c'est le masque. C'est le masque que j'ai en trop. Les lunettes, c'est ça. Voilà. Alors, quitte à d'ailleurs à rajouter, c'est celui-là que j'ai obtenu. Le masque de voleur. Ouais, le masque de voleur est pas si mal. Le masque de voleur est pas si mal. On va mettre la bonne couleur, cependant. Non, même pas la bonne couleur, ce sera celle-là. Oh, quoique, je ne sais pas. Ouais, vendu. Vendu, vendu. Ça, je vois pas la différence, donc je préfère encore le mettre comme ça. Ok, vendu. Vendu, vendu. Au niveau des gants. On a ça, mais ça, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ça non plus. Ça non plus. À tout péter, il y aurait ceux-là. Je vais les équiper. Et vous allez me dire... Ah, ça change que la couleur de la gemme. Ah, ça change que la couleur de la gemme. Non, je déséquipe. Autant pour moi. On va mettre ça. Limite, non, même, on va mettre ça. Non, non, je ne sais pas. Si, je vais mettre que ça. Que pendant le truc, on nous voit... Ou alors, j'en mets pas du tout. J'en mets pas du tout. J'en mets pas du tout. Quoique, il manque un truc. Ça fait... On a l'impression qu'il manque un truc. Donc, autant mettre seulement ça. Et je mets la bonne couleur. Voilà. Hop, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, pourquoi pas. Bon, du coup, où est-ce que ça nous emmène cette fois-ci? C'est parti! Ah bah ça nous emmène, en bas. Tout simplement. Ok, donc, les amis, moi je vous laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!